Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance d'activité orale, l'évaluation, les mots de demander, donner des explications, interdire et avertir. Très bien. Alors voilà, j'observe et je découvre. On a trois images ici. Un, deux, trois. Et nous avons un dialogue. Très bien, des paroles de personnages. Où sont les enfants? Alors les enfants, les voilà. Elles sont où? Ils sont dans la forêt. Elles sont dans le bois. Les enfants sont dans la forêt. On peut dire aussi, les enfants sont dans le bois. Le bois, tiens, comme on peut le voir, le rabat. Très bien. Que font-ils? Je ne sais pas le rabat. Est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils se promènent? Alors regardez qu'est-ce qu'ils font. Galsin les arbres, la nappe. Ok, yaklo. Alors, à l'extérieur, dans la forêt, dans la montagne, dans le jardin, voilà, à la plage aussi. Ça s'appelle une pique-nique. On dit, ils sont, ou bien ils font une pique-nique. Très bien. Ils font une pique-nique. Pique-niquer et aller manger à l'extérieur. Manger à l'extérieur. Que leur dit le garde forestier? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit le garde forestier? Alors, cet enfant dit, ce coin est tranquille. Tiens, voilà le garde forestier. Et d'un canot qui est clos, le loulid gallum a المكان هادي هاد البلاصة هادئة هادي قالت لهم تيان فوالا لو غارد فورستيي جا لو غارد فورستيي بونجور لي زونفون فو بوفي بيكنيسي مي الفو غاردي لا فوري بروبر ممكن تجلسو هنايا تاكلو مي حافظو على النظافة ديال الغابة اي بوي ولا قال لهم عاوتاني غاماسي فو زوردور جوتي لي دون لا بوبيل غاماسي لي زوردور اي جوتي لي دون لا بوبيل. Alors, c'est ça ce que leur dit le garde forestier. Le garde forestier leur dit, les recommandations, vous pouvez pique-niquer ici. Il faut garder la forêt propre. Ramassez vos ordures. La quatrième, jetez-les dans la poubelle. Je m'exprime, je confectionne un autre dialogue dans lequel je donne des conseils et des avertissements aux gens qui campent dans la forêt. Très bien. Alors, nous avons un dialogue autre. Nous allons faire les gens qui marchent et font le camping dans le rabat. Nous allons leur donner des conseils et nous allons leur donner des. Eh bien, voilà la situation. Il y a un moniteur, c'est-à-dire un guide, mais un groupe d'enfants qui va leur mener dans une promenade à travers la forêt. Moniteur, alors, le moniteur, qu'est-ce qu'il dit? Profitez de l'air pur et de la beauté de la nature. Samir, j'ai hâte de voir une tortue ou un hérisson. Malak, je voudrais cueillir des fleurs. Le moniteur, retenez bien, à la forêt, respectez la nature et n'abîmez rien. Et surtout, ne jetez pas vos ordures, vos déchets par terre. Vos ordures ou bien vos déchets. Hussein, nous n'avons pas le droit de grimper aux arbres. Le moniteur, absolument non. Vous risquez de casser les branches. Eh bien voilà. Alors, le moniteur Gallum profitait de l'air pur. Stefdoum et de la beauté de la nature. Oubljamel dial Tabia. Samir Gal, j'ai hâte de voir une tortue ou un hérisson. Gallum. Anam tchawak chauf chi sulhfet ou la chi konfoud. Malak, je voudrais cueillir des fleurs. Anam baria. نقطف الأزهار لو مونيتور قال لهم روتوني بيان سمعوا مزيان à la forêt في الغابة respectez la nature احترموا الطبيعة
inabîmé, rien. M'adhiya, tahaja, la nabatat, la achèche, la arsan, la walou. N'abîmez rien. Et surtout, ne jetez pas vos déchets par terre. Houssine, nous n'avons pas le droit de grimper aux arbres, mais nous n'avons pas le droit de grimper aux arbres. Le moniteur lui répond, absolument non. Motlaqan la, bataten, vous risquez de casser les branches. Hakamoukin, tksro al-arsan. C'est bien. Alors, quand on a l'objectif de la leçon, demander, donner des explications, interdire et avertir. Il a fait le dialogue à Haoulna, mais Kamlin. Alors, profiter de l'air pur et de la beauté de la nature a un conseil. C'est bien. Alors, j'ai hâte de voir une tortue ou un hérisson à l'olidette. Et puis il y a des avertissements et des interdictions. Voilà. Que l'on retenait bien. Alors, il faudrait respecter la nature. Une recommandation. Et n'abîmez rien. Interdiction. Et surtout, ne jetez pas vos déchets par terre. Interdiction. Nous n'avons pas le droit de grimper aux arbres. Une demande. C'est bien. Le moniteur, j'ai un conseil. Absolument non. Vous risquez de casser les branches. Chacun, 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 vous risquez de casser les branches. Chacun